Rencontrer et connaître. Et c'est ça que je veux te dire. Déjà préparer ces personnes afin que tu les rencontres. Alors, tu n'es pas ici seulement car Dieu est ici, mais tu es ici car l'Église est ici. Et c'est vraiment important qu'on comprenne ce principe dans notre vie. Dieu a déjà planifié les rencontres que tu vas avoir besoin au cours de ta vie. Car on ne peut pas vivre tout seul. Alors, Dieu prépare un environnement, il y a des gens que tu dois rencontrer. Et quand tu rencontres quelqu'un, c'était le Saint-Esprit qui te permet de rencontrer ces personnes. On appelle ça une connexion divine. J'aime être avec les hommes et les femmes de Dieu. J'aime vraiment. Et je rappelle quand je suis venu au Seigneur et j'écoutais des grands prédicateurs qui prêchait en Afrique, et j'ai écouté d'un homme, un Allemand qui s'appelait Reinhard Bonnke, et je l'ai vu dans une cassette, il n'y avait pas de DVD, c'était une cassette VHS, et il prêchait et il disait « Africa for Jesus !» Et j'étais vraiment pressé, et j'ai dit « Il faut que je
que j'ai une rencontre avec cet homme. J'ai fait qu'il prie pour moi. Mais je ne connaissais pas. J'ai demandé à plusieurs pasteurs, est-ce que vous connaissez Reinhard Bonnke? Non, 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 personne ne connaissait. Et alors, j'ai vu une information qu'il devrait être en Angleterre. Eh bien, j'ai dit à ma femme, nous étions à l'Institut biblique, à l'école biblique, j'ai dit, il faut que nous rencontrons Reinhard Bonnke. Le problème, c'est que nous n'avions pas l'argent. Et j'avais un très vieux Citroën, c'était vraiment vieux, avec, vous savez, la suspension hydraulique. Et quelquefois, la suspension, ça brisait et la voiture tombait sur les roues. C'était quelque chose. J'ai dit non, et j'avais l'argent pour arriver à Paris. C'était pas suffisant pour aller en Angleterre. Mais Dieu m'a dit, il faut que tu rencontres. C'était le Saint-Esprit. Alors, j'ai voyagé 3000 km pour lui rencontrer. J'arrive 2000 km après à Paris et je rencontre un ami. J'ai dit rien, j'ai dit seulement je vais faire ça. Et il m'a dit oh, tu es ici, il faut que tu. On va manger ensemble. Et il dit regarde, Dieu m'a dit pour te donner ça. Il m'a donné l'argent suffisant pour aller à l'hôtel et retourner. Et c'était vraiment quelque chose. C'était une autre rencontre divine. Je connaissais cette. Cette personne, c'était une fille d'une église, une petite église au moment, commençait à faire des cultes. Maintenant, c'est la plus grande église à Paris. C'est beaucoup de monde, de 10 000, 12 000 personnes. C'est vraiment incroyable ce qu'il a fait dans cette église. Mais il commençait, c'était une rencontre divine. Alors, il y a des gens, quelquefois, que dans des situations difficiles de notre vie, Dieu met ces gens dans notre chemin pour nous aider. Tu peux penser, non, non, je n'ai pas besoin d'aide, mais il faut qu'on comprenne, on a besoin les uns des autres. Alors, pour ça, numéro un, je n'ai pas aucune présentation PowerPoint aujourd'hui. Je veux être, car si je fais ça, je ne suis pas concentré dans mon français, je ne veux pas. Alors, première chose, numéro un, fais attention avec qui tu te tiens. Ça vraiment important. Bien, ma mère m'a dit ça, si tu te tiens avec une mauvaise personne, tu deviens comme eux. Ben, c'est pas assez vrai, mais nous sommes influencés, il faut faire vraiment attention. Ce n'est pas parce qu'une personne est riche ou influente qu'on doit nécessairement avoir comme ami. On dit, oh, cet homme c'est riche, c'est mon ami. Non, non, ce n'est pas l'influence, ce n'est pas l'argent. Mais on doit vraiment prier chaque jour, c'est ça que je fais tous les jours. Dieu amène les bonnes personnes dans ma vie et enlève celles qui ne doivent pas faire partie de ma vie. Ça, c'est vraiment important. Car il y a des gens, l'apparence peut être bonne, mais ils ne doivent pas être partie de notre vie. Et quand je parle des gens, je ne parle pas seulement des gens qu'on connaît au travail et dans le monde, mais je parle aussi à des gens qu'on connaît à l'église. Car même dans l'église, il faut que vous choisissiez vos amis sérieusement. Vous savez, ici en Amérique du Nord, la moitié des adultes n'ont pas du temps pour avoir des amis. Ils n'ont pas du temps. Ils jouent dans l'Internet, ici dans notre quartier, ils jouent aux quilles et plusieurs choses. Mais ce n'est pas vraiment une amitié. Ils se rencontrent, mais il n'y a pas vraiment des amis. Alors, comme Église, on doit créer des connexions divines avec des gens. Et une des raisons que nous sommes ici, et je crois qu'on va être beaucoup de monde, on va avoir beaucoup de monde ici, c'est quand on commence à faire ces connexions. Et quand, c'est comme quand tu fais un building avec des pièces Lego, tu sais comment faire? Il y a des instructions, on achète la boîte, on a les jouets Lego et on met une pièce et une autre pièce, et après une autre pièce, et après une autre pièce. Au début, c'est rien. C'est 400 pièces, ça ne fait pas de sens. Mais après que tu commences à rejoindre toutes les pièces, arrive un moment, ça commence à prendre forme. Est-ce que tu sais ce que je parle? Ça commence à prendre forme. Et après, commence à prendre forme. Et dans un moment donné, tu vas être fini. Et quand tu es fini, tu dis, regarde ce que j'ai fait. Et il y a des étudiants ici, ils ont fait un petit homme Lego, et ils ont mis dans un ballon pour aller à la stratosphère. C'était quelque chose, hein?
elle était dans toutes les nouvelles que le petit bonhomme Lego est allé à la stratosphère. C'est quelque chose. Et vraiment, quand on fait des petites choses comme ça, il paraît que c'est petit, mais quand on connecte les pièces, d'arrive à un moment, ça fait sens. Ça, c'est aussi avec notre vie. Et je vais commencer pour lire un verset dans l'Épître 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Et avant qu'on lise ça, je vais vous dire quelques statistiques ici du Canada. Il dit que depuis les 25 dernières années, il y a une baisse de 50% des présences dans les clubs de réunion. Et ici à Montréal, il y a plusieurs clubs dans la ville où les gens se rencontraient. Et j'ai visité un de ces clubs l'année passée pour un dîner. Quelqu'un a loué une salle. C'est vraiment magnifique. C'est au centre-ville. Je ne me rappelle pas du nom, mais c'est comme un palais. C'est vraiment un palais. L'intérieur, tout avec les antiquités, toutes ces affaires-là, c'est vraiment beau. Mais on regarde le club et ce n'est pas vraiment utilisé. J'ai demandé, est-ce qu'il y a beaucoup d'occupation? Il dit non. Chaque fois, moi et moi et moi. Alors, c'est la façon que ça arrive. Et dans notre quartier ici, bien, il y a plusieurs du monde au casino, mais les gens au casino ne font pas des amis. Au casino, ils sont devant une machine ou dans une table de jeu, ils sont vraiment seuls. Vraiment seuls au bingo. Ils s'assient, ils écoutent les numéros. J'ai prié, Seigneur, donne-moi le bingo ici sur ta chevaux, ça va être une église magnifique. C'est grand, c'est beaucoup d'espace, un bon stationnement. Et car il y a ces endroits, il y a plein de monde, mais ils sont tout seuls. Mais Dieu t'a appelé pour faire des connexions divines. Il faut qu'on connecte ces gens à Dieu, mais avant qu'ils soient connectés à Dieu, il faut les connecter à nous-mêmes. Alors, 2 Corinthiens 6, 14, la parole de Dieu dit, « Ne vous mettez pas avec des infidèles sur un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il un commun entre la lumière et les ténèbres? Alors, quand on fait des connexions, il faut vraiment savoir à qui connecter et comment connecter. Je ne veux pas me connecter avec les gens du casino, mais je veux les introduire à Christ, à Jésus, et je veux les connecter à Dieu. Alors, il faut avoir de la sagesse quand on a les rencontres avec les gens que ne sont pas des gens que sont une connexion que Dieu voit que nous avons dans notre vie. Alors, il faut vraiment choisir d'une façon positive. Et on doit savoir aussi, tous les gens, tout le monde a un esprit. Avez-vous un esprit? J'espère. Alors, nous avons un esprit, c'est... Notre esprit donne la vie. Il y a de la vie en nous, c'est notre esprit. Bien, tu as donné un esprit. Alors, j'ai mon esprit, mais il n'y a pas seulement dans le monde des esprits humains. Il y a d'autres esprits. Car quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde naturel, mais il a créé aussi le monde surnaturel. Et dans le monde surnaturel, il y a des anges et il y a aussi des démons. Qui sont des anges, magiques, méchants, et ils sont des esprits. Alors, on ne peut pas les voir, mais quand on est avec Dieu, on sait qu'ils sont là, et il y a des gens vraiment sous l'influence de ces esprits. Alors, c'est possible que vous ne croyez pas, mais je suis ici pour vous dire que c'est la réalité. Vous pouvez être aussi affecté par l'esprit d'une autre personne. Quand vous êtes en relation avec elle, alors l'esprit d'autres personnes, il y a des personnes qui ont un esprit vraiment négatif et on peut vraiment être influencé par ces personnes. J'aime bien être avec Pasteur Noël car il est un homme de Dieu. Alors je veux être connecté avec lui. On ne se connaît pas il y a longtemps, mais pour moi il paraît que je le connais il y a plusieurs années. Pourquoi? Car dans mon esprit, je me sens confortable. Amen. Avec vous aussi, je me sens confortable. Amen.
Car je sais, il y a quelques liaisons, ça fait quelques liaisons entre nous. Alors, regardez aussi dans 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 16, il dit, ne savez-vous pas que celui qui est mis à une prostituée est un seul corps avec elle, car les deux, dit-il, seront une seule chair. Alors, regardez comme un péché de prostitution cause que de la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est lié à une prostituée, il devient un avec elle. Ils sont une seule chair. Alors, il y a des conséquences physiques quand on est lié à une autre personne. Alors, prostitution, on sait que c'est du péché. C'est un cas extrême. Mais pourquoi est-ce que ce cas extrême est ici dans la parole de Dieu? Car Dieu veut qu'on connaisse la réalité, que quand nous avons des amis, et nous avons plusieurs amis, ils ne sont pas nécessairement, forcément, tous nos amis sont des hommes ou des femmes de Dieu, mais il faut vraiment choisir qui est-ce que nous nous connectons avec. Alors, la Bible dit ici une seule chair, qui se peut traduire, la traduction exacte, c'est une seule substance. Une seule matière. Alors, par exemple, un homme que rencontre une prostitute devient dans une relation de prostitution avec elle, et il y a un esprit qui est transférable. C'est comme un esprit de prostitution. On va lire un verset, deuxième de Rois. Chapitre 2, verset 15. Alors, on va voir ça dans l'aspect positif. On a regardé dans un aspect négatif, une prostitute. Alors, on va voir dans l'aspect positif. Et ici, on va lire seulement verset 15, à propos d'Élie et Élisée. Il dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, diront, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alors, ils ont reconnu que l'esprit d'Élie était maintenant sur Élisée. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une connexion divine. Élie, un jour, a pris Élisée sous son manteau et il a dit, viens avec moi. Il a tout laissé, il a laissé sa famille, et pendant des années, il était seulement le serviteur d'Élie. Mais le jour qu'Élie est parti, Élisée a demandé, je veux une portion double de ton esprit dans ma vie. Il n'a pas dit l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu, c'est ton esprit. Alors, nous avons un esprit, et il y a des choses qui sont transférables. Il faut faire attention, car ceci peut arriver pour le meilleur ou pour le pire. C'était évident pour tout le monde ici qui connaissait Élisée, que le même esprit fut transféré. Alors ils ont regardé, c'est comme Élie, waouh! C'est pas Élisée, maintenant c'est Élie square, au carré. C'est double, c'est fantastique, et c'était vraiment quelque chose qui est arrivé. Et si tu entends bien avec une personne qui est par exemple jalouse et tu tiens avec elle, cet esprit peut venir dans ta vie, t'influencer grandement. Quand tu as une relation du côté spirituel, on devient comme les personnes avec qui nous nous associons. Ça c'est vraiment une chose qu'il faut faire attention. Et quelquefois, on ne connaît pas les gens avec qui nous nous associons. Et il faut faire attention. Ne permet pas aux personnes sans intégrité de faire partie de ton cercle d'amitié proche. Ça ne veut pas dire que tu ne te relationnes pas avec personne sans intégrité. On connaît des gens avec des problèmes. Ce n'est pas qu'on coupe les relationnements, non. Mais il faut vraiment faire attention. Même quand quelqu'un prie pour moi, je laisse tout le monde prier pour moi. Mais s'il y a quelqu'un que je ne connais pas qui vient et pose les mains pour prier pour moi, après, je ne dis pas à la personne, mais je vous dis le secret.
Après que la personne parle, je dis au nom de Jésus, je couvre ma vie avec le sang de Jésus et tout l'esprit transférable maintenant est sous le sang de Jésus. Je suis libre, je suis en liberté. Alors, je permets que n'importe qui prie pour moi, mais après, je fais une ménage, un nettoyage spirituel. Nous avons besoin d'entretien spirituel, tout le monde. Alors, Dieu a dit aussi à Moïse que le même esprit qui était en lui, le transférer aux anciens. Ça, c'est au livre de Nombre, Nombre, chapitre 11, Nombre 11, 16 à 17. Et la Bible dit, l'Éternel a dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils se présentent avec toi. Je descendrai et je te parlerai. Alors regarde, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas toi seul. Alors, il a dit, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi, et je vais le mettre sur eux. C'est quelque chose, hein? j'aimerais être avec Albert Einstein pour avoir un petit peu de... mais regarde, c'est pour ça qu'on disait que les gens qui étaient avec Jésus, on reconnaît que ces gens étaient avec Jésus à cause de la sagesse. La façon qu'ils parlent, il y a quelque chose. Ce sont des hommes illettrés, ils n'ont pas de connaissance pour parler comme ça. Mais ils avaient la connaissance de Jésus, l'Éternel, car ça a été transmis. Alors quand on prie, c'est vraiment important qu'on connecte avec Dieu. La pire chose en prière, c'est quand on prie pour les murs. On l'a loin de la même chose. Nous sommes ici seulement pour chanter des chansons. C'était vraiment bien. Je veux vous dire, les chansons étaient vraiment bien. Mais pour moi, ce n'est pas la chanson. C'est Dieu. Alors, à travers la les chansons, les cantiques de louange, on peut vraiment connecter au Seigneur. Et on sent sa présence. On est lié à Dieu. C'est vraiment important. Alors, au niveau du monde, on est connecté avec des gens. Alors, je veux être connecté avec des hommes, des femmes que je sais que Dieu a préparé pour cette connexion. Je ne peux pas me connecter à tout le monde. Je ne peux pas me connecter à tout le monde. Si je connais un homme ou une femme de Dieu, je ne peux pas forcément être connecté car ça ne peut pas être la volonté de Dieu pour moi. Alors je prie, je dis, Dieu donne-moi des connexions divines. Et la troisième chose que je veux te dire, Dieu a un Barnabé pour chacun de nous. Barnabé. C'est bien dit? Barnabas. Un Barnabas. Alors, ça c'est le Barnabas. Je pensais que c'était Barnabas, c'est Google Translate m'a fait un bien erreur. Alors, après que Paul a eu un rencontre avec Dieu, il y a eu un grand changement dans sa vie. Car il était un persécuteur des chrétiens. Et il fut mettre en prison. Mais après avoir reçu un appel de Dieu, Dieu lui-même met dans son chemin un homme, Barnabas, et ça a fait que Barnabas a connecté Saul, à l'Église, aux apôtres. Car il était un ennemi, mais c'était Barnabas qui a dit non. Je vais vous dire que cet homme, c'est un homme de Dieu. Et c'est comme ça qu'il était introduit à l'Église. C'était Barnabas. Alors Barnabas a connecté des personnes. J'aime bien connecter des personnes. Je demande toujours à Dieu, amène-moi les connexions divines. Et quelquefois, ce n'est pas pour moi. Et quelquefois, c'est comme ça, j'ai connu un jeune homme. Elle est célibataire et après il y a une fille et je fais la connexion, il se marie après. Waouh, j'ai fait une connexion, j'ai fait quelque chose de beau. Ça arrive pas souvent car je suis pas une agence de. mais ça a déjà arrivé. J'ai introduit deux personnes, c'était marié.
Wow. Donc, je me sens bien quand c'était pas moi, c'était Dieu. Mais j'étais un instrument de Dieu pour que ça arrive. Et ça, c'est seulement un exemple. Mais ce n'est pas seulement à ce niveau-là. C'est quelquefois au niveau des affaires, par exemple. C'est vraiment, vraiment important que les hommes d'affaires chrétiens connectent avec des hommes et des femmes de Dieu. C'est vraiment important, car il y a des avantages. Il y a des avantages énormes quand ils peuvent avoir seulement une petite connexion, un renseignement qui peut changer sa vie. Un des pasteurs, c'est une influence de ma vie, il est venu ici, c'est pasteur Mel Mullen, il est en Alberta. Et ce pasteur est vraiment un homme de Dieu qui connecte tout le monde. Il connecte les apôtres avec les hommes d'affaires, avec les évangélistes, et c'est vraiment quelque chose de fantastique. Chaque fois qu'il m'appelle, je sens, wow, il y a quelque chose qui arrive. Il y a toujours une connexion. Et quelquefois, les gens ne comprennent pas ça. Et quand je lui ai invité pour venir ici, il a prêché. Et les gens disent, oh, c'est une bonne prédication. Mais je dis, regarde, je n'ai pas invité pasteur Mel à cause de la prédication. Pour la prédication, on a des prédicateurs suffisants ici. C'est car Dieu m'a dit qu'il devrait venir ici. Car il fait des connexions divines. C'est vraiment important qu'on reconnaisse qui sont les gens qui font aussi des connexions divines. Car Dieu a un Barnabas pour nous, mais est-ce que tu peux être un Barnabas pour une autre personne? Et je ne parle pas seulement au niveau d'amener quelqu'un au Seigneur. C'est quelquefois des situations qui arrivent et Dieu te donne une parole. C'est une parole de connaissance, c'est une parole de sagesse, c'est une parole prophétique. Et quand tu parles ça, les choses changent. J'ai lu à propos de Billy Graham, je pense que vous connaissez le nom, c'est un des plus fameux évangélistes nord-américains. Et il tenait des réunions évangélistiques à travers le pays. Et il était un prédicateur moyen, faisait des petites campagnes partout. Et dans un été particulier, il était à Los Angeles, en Californie, et il y avait un homme qui s'appelait William Randolph Hearst. Et il attendait la réunion. Ce que Billy Graham ne savait pas, c'est qu'il était l'homme avec le plus grand empire de journaux à travers l'Amérique du Nord, à travers le pays. Il fut très impressionné et ce soir, il a envoyé un message à tous les éditeurs des journaux des États-Unis en disant il faut faire un article à propos de ce jeune homme, Billy Graham. Alors, les journaux ont mis le nom Billy Graham de partout. Et tout le monde maintenant voulait écouter Billy Graham. Alors, c'était... dans le monde, les gens disaient de la chance. Oh, il était chanceux. Car personne ne connaissait pas Billy Graham. Et je ne sais pas si vous avez écouté Billy Graham. Pour moi, ce n'est pas un grand prédicateur. Si j'écoute le message, c'est OK. Mais il y a une onction spéciale. C'est l'onction, ce n'est pas le message. Le message, c'est toujours la même chose. Jean 3,16. Ce qu'il a voulu dire, je connais. Et alors, c'est pour ça, peut-être pour moi, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui dit « Oh, les prédications de Billy Graham ». Non, c'est toujours la même prédication. Mais c'est l'onction sur lui. Mais sans la connexion divine de William Hearst, sa destinée, c'était de continuer à être un prédicateur l'intérieur des États-Unis, qui faisait des petites campagnes. Mais la connexion divine, une soirée seulement, la personne que Dieu avait préparée était là. Et il a envoyé le message, il a dit, mettez dans les journaux Billy Graham. Et après ça, on connaît ce qui est arrivé. Alors il était le Barnabas que Dieu a préparé pour lui. Alors je crois que Dieu a préparé des Barnabas pour nous. Tu ne le connais pas? Peut-être le Barnabas est ici. Peut-être maintenant, il vient ici et un jour, vous êtes ici dans la louange, avec l'église n'est pas pleine encore, mais vous êtes dans la louange, il y a quelqu'un là-bas et tu ne connais pas la personne. Peut-être c'est le Barnabas.
qu'elle va mettre dans le journal Montréal. Oh, Martin Paquette, l'étalon. Je dis, ok, c'est une blague pour toi. Mais tu comprends, mais c'est comme ça que les choses arrivent. Il faut être préparé. Et savoir que c'est pas. Et les grandes choses que Dieu fait, la plupart du temps, c'est pas dans une grande assemblée. C'est dans les moments les plus intimes. Alors, je suis presque fini. Et je vais aller vers la conclusion avec mon quatrième point. Dieu prend soin de nos connexions. Et mon deuxième point, c'était les esprits sont transférables. Troisième, Dieu a Barnabas pour chacun de nous. Quatre, prendre soin de notre connexion. Alors, une chose qu'on ne doit pas faire, c'est forcer les connexions, les relations. C'est comme quelqu'un te présente le premier ministre et tu commences à forcer. Oh, monsieur le premier ministre, mon nom c'est Tony et je suis un pasteur. Non, il va me dire, il va me chasser, il ne veut pas parler avec moi. Il ne faut pas forcer. Laisse les choses arriver. Crois que Dieu est au contrôle et qu'il va amener des bonnes personnes au bon moment. Et pour que ça arrive, il faut que tu pries. Tu sois sensible aussi. Et il y a des gens ici, peut-être que vous êtes célibataire, divorcé, vous ne croyez pas que ta vie peut changer. Mais la Bible dit que ce n'est pas bon pour l'homme ou pour la femme. Mais c'est pour l'homme, mais j'ajoute pour la femme. D'être seul, c'est pas bon d'être seul. Et alors on peut penser bien, le temps est passé, je ne suis pas un jeune homme, j'ai été déjà marié, mais tu dois prier, garder la foi, pour que Dieu fasse en sorte que tu es dans la bonne place au bon moment. Amen. Je sais que les gens maintenant, ils allument la télé et la télé dit « Oh, christianmingle.com » et des choses comme ça. Et dit, oh. Alors, il n'arrive pas bien, je vais chercher dans l'Internet. Tu peux chercher dans l'Internet, mais ce n'est pas vraiment, je pense, que ce qu'on doit faire. Car j'ai une Internet meilleure que notre Internet. C'est l'Internet de Dieu. Amen. Et je suis branché tout le temps. C'est une connexion wireless. C'est un réseau sans fil entre moi et Dieu. C'est tout le temps. Tout le temps. Alors, quand tu es dans ce réseau, tu vas rencontrer les bonnes personnes. C'est vraiment important. Et je vais encore dire une cinquième chose. Si vous voulez que Dieu amène cette connexion divine, vous devez vous-même être une connexion divine. Alors, quand on sème, on a une récolte. Alors, il faut semer en avant. Si tu veux que Dieu amène des personnes sur des connexions divines, tu dois toi-même être une connexion divine. Et ça, c'est à tous les niveaux. Maintenant, je suis pasteur et dans cette saison, je ne fais pas beaucoup d'affaires, mais j'ai aussi une petite compagnie. Et quand, dans une saison, que mon travail dans l'église où j'étais antérieurement, c'était pas. J'avais pas besoin de faire le travail pastoral, c'était plus administration. J'ai commencé à faire des investissements de temps dans ma compagnie. Et j'ai trouvé ça. Si je veux avoir des clients, il faut que je le cherche. Et que je cherche des hommes d'affaires de succès. Alors, c'est pour ça qu'il y a des chambres d'affaires. Il y a des environnements où il y a des hommes d'affaires et femmes d'affaires qui sont ensemble. Par exemple, il y a une réunion d'hommes d'affaires ici, à Longueuil, dans notre Longueuil. Et j'étais invité plusieurs fois d'être dans ces réunions. Et on mangeait seulement les centenaires. Autour de la table, on disait alors je fais ça, ça c'est ce que je fais. On amenait des cartes d'affaires, on changeait les cartes d'affaires, on parlait avec les gens. Et ça sont des connexions. Et à travers ces connexions, le volume d'affaires augmente. C'est une chambre de commerce, c'est vraiment important. Alors, est-ce que nous avons des réseaux, des gens, je ne parle pas des réseaux sociaux, ce n'est pas Facebook qui va changer ta vie.
C'est Dieu qui va changer ta vie. Quand les gens disent, oh, le gouvernement en Libye est tombé car en Tunisie, car il y a Facebook. Comment? Facebook, c'est pas Facebook, c'est la volonté de Dieu. Facebook, Twitter, toutes ces choses sont les affaires humaines. On a des affaires humaines. Et alors, si Dieu te dit, mets-toi dans Facebook, mets-toi, mets ta face. Mais c'est pas ça, c'est important. Notre connexion, c'est avec Dieu, les uns les autres, et toujours prier. Toujours prier. Dire, Seigneur, amène-moi des connexions, mais je veux être une connexion pour votre. Dernier verset biblique, Proverbe 22:1. Un bon nom est plus désirable que des grandes richesses. Un bon nom est plus désirable que des grandes richesses. Est-ce que tu as un bon nom? Bien. Mon nom, il faut que je le solette en anglais tout le temps. En français, les gens connaissent mon nom. Si je dis mon nom, ok, ils sont capables d'écrire en français. Si je dis mon nom en anglais, ils vont dire ok, lettre par lettre, s'il vous plaît. Et car ce n'est pas un nom connu. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Ce n'est pas le nom. Si tu t'appelles Richard, Noël, Noélie, ce n'est pas le nom. C'est ta réputation. Ce que les gens regardent à toi. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent vraiment mettre ta réputation en bas. Ça peut arriver même dans le moyen chrétien, même dans une église. Il y a des gens qui sont vraiment méchants. Et Dieu, dans sa parole, il dit, les gens qui font ça, ils n'arrivent pas à rentrer au ciel. Ils sont pas, ils pensent qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas. Car ils mettent la réputation d'autres et le nom d'autres par terre. Vraiment, complètement par terre. Alors, il faut qu'on comprenne ça. Alors, quand quelqu'un demande de vous, mon rôle, c'est si quelqu'un m'appelle, « Oh, vous avez un pasteur maintenant, c'est pasteur Noël et Noélie. Avez-vous des informations ?» Je dis, « Oui, c'est un homme de Dieu. Waouh, quand il prie, le bâtiment tremble. » Tu comprends ? Je dis le meilleur de mes amis. Pourquoi ? C'est pas par intérêt, mais c'est une discipline. Je m'ai discipliné comme ça car j'ai compris que dans la parole de Dieu, quand j'aime quelqu'un, il faut que je dise des bonnes choses à propos de cette personne. Alors avec le temps, je vais connaître tous les défauts du pasteur. Mais je ne veux pas les raconter. Quand quelqu'un me questionne, je ne veux pas dire, oh non, hein, vraiment, il y a des problèmes avec lui. Non, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas ici pour juger personne, vu non plus. Alors, ce qu'on fait, on dit le meilleur. On dit le meilleur. Oh, dis-moi, ton église, où tu vas maintenant? C'est fantastique. La présence de Dieu est là. Alors, tu ne vas pas dire, oh, vraiment, on commence, c'est un petit nombre de personnes. Non, on regarde les choses par foi. Et un autre mot, aussi, prendre du temps pour écouter les autres, apporter la parole de Dieu aux gens, et tout ce qu'on sème, on le récolte plus tard. Ça, c'est la vérité. Regarde, je connais des hommes de Dieu qui ont fait des mauvais choix. Ils ont commencé à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire, mais malgré ça, il y a du succès apparent dans sa vie. Dans leur vie. Alors, il fait des choses qu'ils ne doivent pas faire. Et je connais des situations comme ça. Et je regarde et je dis, mais ça, c'est un homme de Dieu. Et il fait ses affaires et il paraît que tout est bien avec lui. Regarde sa maison, regarde sa voiture, regarde son ministère, regarde ça, waouh! Mais devant Dieu, je dois garder mon intégrité. Et un jour,
quand les gens font des choses qu'ils ne doivent pas, il y a toujours, toujours une facture à payer. Toujours. Car l'ennemi de notre âme, il a toujours une facture qu'il présente dans le moment, le pire moment de notre vie. Alors, il faut faire attention à notre vie. Il y a beaucoup d'années, il avait un homme, c'était pas loin d'ici, dans une ville nord-américaine, Chicago. Et le nom de l'homme, c'est Al Capone. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. Al Capone. Il possédait la ville, virtuellement. Et il était capable, il avait un comptable, qui était toujours capable de le garder hors de la prison. Il payait à tout le monde. Et la ville était complètement dominée, contrôlée. Quand les gens parlaient le nom Al Capone, les gens tremblaient. Waouh! Il faut faire rien pour fâcher cet homme. Et après qu'il a décédé, ses enfants ont changé de nom. Ils ne voulaient pas garder le nom, la mémoire du nom de son père. Et regarde, un bon nom, c'est plus important que les richesses. Je veux garder mon bon nom dans ma maison. Ça, c'est le premier endroit. J'aime que mes enfants viennent à l'église. Pas car je n'ai jamais dit à mes enfants, « Allez, on va à l'église. » Non, ils sont déjà préparés pour venir. Et je donne la liberté. Quelquefois, je demande, « Est-ce que tu vas être au travail ? Tu vas travailler toute la soirée jusqu'à minuit ? Tu vas travailler ?» Ma fille, c'est comme ça, elle travaille. Jusqu'à minuit les samedis, elle vient à l'église et elle sort, elle va travailler. Et quelquefois, je regarde la petite et je dis, est-ce que tu veux rester à la maison? Elle dit non, je vais être à l'église. Pourquoi? C'est pas à cause de papa ou maman, non. C'est elle sait. Elle a eu une rencontre avec Dieu. Ça, c'est important. Alors, notre relation avec Dieu, mais notre relation des uns des autres, c'est vraiment important. Alors, en conclusion, peut-être il y a des connexions que tu dois couper dans ta vie. Quelquefois ça arrive, on ne pense pas à ça, mais quelquefois il y a des connexions qu'on doit couper. Et il y a autre connexion qu'il faut vraiment protéger. Amen. Et alors, ce que je veux prier ce matin, c'est que Dieu nous donne vraiment des connexions divines. Et par rapport, peut-être tu es dans une situation où tu as besoin d'un emploi, ou tu as besoin, tu veux, on a parlé, tu as besoin d'être marié, tu ne veux pas être seul. Il y a des situations comme ça. Et tu te demandes et tu dis, Dieu, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Car peut-être tu as perdu l'opportunité d'être lié à cette personne. Il y a des opportunités, on peut les perdre. On peut les perdre. Il y a 10 ans, j'avais un petit peu d'argent et je voulais faire un investissement. Et j'ai tout planifié et j'ai dit à un homme d'affaires, je vais faire l'investissement, tout cet argent, dans la compagnie Apple. Ben, tout est fou, complètement fou. Regarde, ils vont fermer la porte. C'est de la misère. Mais c'était au moment, ils étaient vraiment, ils étaient presque dans la faillite. Mais j'ai senti ça. Malheureusement, après, je n'ai pas eu des sous pour faire cet investissement, car j'avais besoin d'acheter une maison. Mais j'étais sûr. Et des ans après, j'ai appelé cet homme qui m'a dit « Non, tu es fou. » Il m'a dit « Alors, regarde, si tu avais fait un investissement comme je t'ai dit, maintenant tu étais un millionnaire, car il avait plein d'argent. » Et je sais que c'était une connexion divine. C'était quelque chose de Dieu. C'était vraiment de Dieu. Et au moment, j'ai pensé que c'était pour moi. Moi, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'avais pour, après, acheter une maison. Mais pour cette personne, c'était la richesse.
C'était la richesse, vraiment la richesse. Je lui ai dit, regarde, je connais un petit peu l'informatique, mais ce n'est pas à cause de l'informatique. C'est vraiment, je sais de Dieu, cette compagnie qui est dans la faillite, dans 5 ans, ils vont être en avant. Et ce qui est arrivé en 10 ans, c'est la plus grande compagnie au monde maintenant. Son numéro 1. Et alors, quelqu'un qui a mis dessus là-bas, dans cette compagnie, ils ont fait 20 fois plus. 20 fois. C'est beaucoup d'argent. Pas si tu mets 100 dollars, mais pour les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quelquefois, il y a des petites connexions comme ça. Un petit mot, une petite parole. Et que tu rentres dans l'église, quelqu'un te dit, oh, j'ai une maison à louer. Et tu sors de l'église. Et quelqu'un dit, oh, j'ai besoin d'une maison. Oh, regarde, j'ai la personne pour toi. Ce sont des petites affaires comme ça. Quelquefois, peuvent changer la vie d'une personne. Et Dieu va nous utiliser pour être des connecteurs. Amen. Pas seulement pour être connecté, mais pour être des connecteurs. Et si tu dis, Dieu, je veux être une influence. Je veux connecter des gens. Connexion divine. Alors Dieu va amener tous les gens, toutes les choses que tu as besoin. Amen, on va se mettre debout au bas.